On est en finale, le rêve s'est réalisé, plus de 350 000 personnes se sont rassemblées la nuit dernière sur les Champs-Élysées pour fêter l'événement après le but libérateur de Lilian Thuram, le héros du match. On imagine aisément la fête dimanche soir, si, point de suspension, mais n'anticipons pas. Madame, monsieur, bonsoir. Pour voir les Français remporter leur demi-finale contre la Croatie 2-1, c'est presque toute la France qui était hier soir devant sa télévision. 17 millions de téléspectateurs qui ont d'abord tremblé avant de laisser éclater leur joie. Jamais dans l'histoire de la Coupe du Monde, l'équipe de France n'avait dépassé le stade des demi-finales. Le premier à s'en réjouir, l'entraîneur Aimé Jacquet. Reportage Yann Lavoie, André Germain. Il en a rêvé et ils l'ont fait. Eux, ce sont ses joueurs, son groupe, comme il dit avec ses mots à lui. La buée dans les lunettes, Aimé Jacquet voit pourtant bien à l'autre bout du terrain Lilian Thuram, porté en triomphe. Et longtemps encore, Aimé se souviendra de ses deux buts inscrits. Incroyable Thuram, dont Jacquet dit souvent qu'il a les pieds carrés. Comprenez qu'il est maladroit devant le but. Tous les matins, je lui disais, toi, tu ne marqueras jamais un but. Alors je suis très mal aujourd'hui. Il nous en a marqué deux. Je crois que Lilian Thuram a été l'image de cette équipe, c'est-à-dire de la générosité, du talent, et puis une envie folle de se surpasser et puis de renverser des situations. Thuram, héros ordinaire, entame un tour d'honneur. Lui qui est cet homme de devoir comme les aime aimer, un leader discret. Et puis il y a toute cette joie immense vécue simplement par des stars qui n'en sont pas. Je me suis aperçu que les joueurs ont été très humbles, très calmes. Ça veut dire qu'ils nous préparent quelque chose pour dimanche. Bien sûr, avant la délivrance, Mémé a eu peur. Surtout lorsque Schuker a ouvert la marque pour la Croatie. Tout à coup revenaient en mémoire les images de 58, de 82 et de 86, ces trois demi-finales perdues. Mais il y avait 80 000 poitrines qui voulaient infléchir le cours du match, le cours de l'histoire, ce public, cette France à laquelle il voudrait tant donner, aimer. On a réconcilié la France grâce au football. Je pense que le Français, qui est un égoïste, eh ben, il va vivre peut-être un peu plus collectivement et qu'il va peut-être faire la fête ensemble. C'est peut-être le seul point positif que l'on va apporter. Mais si on pouvait, je dirais, le poursuivre dans notre vie de tous les jours pour que les gens soient plus heureux, plus fiers d'être français et plus fiers d'être de leur équipe de foot. Il est comme ça, Aimé, généreux, partageur, affamé de joie collective. Et l'exclusion de Laurent Blanc l'a empêché de goûter goulûment à la victoire, au plaisir d'être en finale de la Coupe du Monde. Au coup de sifflet final, il reste seul. Il réalise qu'il lui fallait cette finale pour faire enfin l'unanimité parmi les supporters, mais aussi parmi les journalistes. Bravo. Des journalistes qui, à sa grande surprise, lui ont fait une ovation ce matin avant sa conférence. J'apprécie beaucoup. Et jamais il n'a parlé de revanche. Mais on n'a pas fini, hein, attention. Hein. À 21h hier soir, au moment du coup d'envoi, la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées, était pratiquement déserte. 3 heures plus tard, elle était noire de monde. 350 000 personnes environ fêtant dans la bonne humeur et sans incident la victoire de l'équipe de France. Thierry Curtet, Bernie Mériot. Une folie douce, tout simplement. Nous étions au moins 350 000 à venir nous enivrer d'allégresse, de bonheur, de joie. Une sauvage envie de partager un moment dont on se rappellera. On est en finale, à l'unisson, 350 000 personnes pour 4 mots magiques. Répétés à l'infini sur les 2 km des Champs-Élysées, de la Concorde à l'Arc de Triomphe, la foule compacte n'est qu'une bouche. Une fête improvisée. Mais aujourd'hui c'est encore pire, pire. Si la France gagne la finale, je ne sais pas où, comment ce sera le Champs-Élysées, mais ce sera catastrophique. C'est la plus belle journée de la vie. C'est la plus belle journée du foot français. C'est dimanche prochain la plus belle journée. Un immense soulagement après 90 minutes d'angoisse. Libéré, Laurent Blanc, libéré, Laurent Blanc, libéré, Laurent Blanc.
promesse d'une autre fête à venir qui ne sera que champagne, comme si l'essentiel avait été accompli, le sort conjuré. Le rêve a duré jusque tard dans la nuit ou tôt ce matin. Mal de tête, gueule de bois, extinction de voix, il ne reste pourtant que 4 jours, ou plutôt 4 nuits pour se refaire une santé et être prêt pour le feu d'artifice final. Le héros de la soirée d'hier n'est pas un habitué des plus gros titres. Lilian Thuram, donc, a plutôt en général le rôle essentiel mais ingrat de défenseur. Jusqu'à hier soir, il n'avait même jamais marqué un but en équipe de France. Et coup sur coup, deux exploits. Christelle Bertrand, André Germain. L'équipe de France en finale, c'est historique. Lilian Thuram, défenseur qui marque, c'est inédit. Et deux buts, c'est héroïque. J'ai du mal à réaliser quand même parce que bon... Marquer deux buts, pour moi, c'est quelque chose d'invraisemblable, quoi, parce que bon, déjà à l'entraînement, j'en marque pas. D'habitude, dans un match, on a l'image, le son du commentateur, mais jamais le commentaire du buteur. On se demande toujours ce qui peut bien se passer dans la tête d'un joueur qui marque. Thuram nous le dit. Je vois le ballon rentrer, je me dis, mais... Là, c'était trop, je me dis, attends, t'as marqué, c'est pas possible. Et je vois tout le monde sauter sur moi et je réalisais pas. Et puis j'entends un joueur qui dit laissez-le respirer. Mais en fait, c'était ça, laissez-le respirer parce que un peu plus, je veux dire, je tombe dans les pommes, quoi, à la limite. Quoi. Et en plus, le deuxième but, c'était vraiment, je me disais, mais qu'est-ce qui t'arrive, mais je veux dire, où t'es Mais Marcel, il vient vers moi et me dit oh, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis moi j'en sais rien ce qui se passe. Là en fait, il n'y a même pas de joie, c'est l'étonnement. Et je pense qu'il faudra attendre au moins 25 ans encore pour que je marque deux buts dans un match, quoi. La mère de Lilian a vécu le match en direct avec son fils. Elle vit en région parisienne, l'émotion chez les Thuram, cette famille. Je ne m'y attendais pas, c'est pour cela, à ce moment, je me suis évanouie. Oui, je me suis évanouie parce que je ne m'attendais pas. Lilian a renoué avec son père depuis peu. Joseph vit à Anse-Bertrand, en Guadeloupe. Il porte le même numéro que son fils, qui avant d'être footballeur, était marathonien. La course à pied peut mener loin. Quand tu as du courage, tu vas très très loin. Le courage, le moral, c'est ça qui a amené l'équipe à la victoire. Le football aussi, ça peut mener loin. Ça peut aussi changer quelqu'un. Avant d'être joueur, Lilian voulait être prêtre. Il quitte la Guadeloupe à 9 ans. C'est à Fontainebleau qu'il change de vocation. L'illumination sera pour le ballon rond. Surnommé Jambe d'Allumette, il va rester à l'AS Monaco jusqu'en 96. Et puis il signe à Parme. Dès sa première saison, Thuram est élu meilleur défenseur du Calcio, une référence. Hier, il a écrit la plus belle page de son histoire qui coïncide avec celle du football français. À 26 ans, Lilian Thuram a accompli un exploit pour l'équipe de France. Qui sait, en finale, un miracle est si vite arrivé. Une seule fausse note, malheureusement, hier soir, mais d'importance, en vue de la finale contre le Brésil, l'équipe de France a perdu l'un de ses rouages essentiels, Laurent Blanc, victime d'un carton rouge et d'une expulsion plus que contestable qui lui valent 2 matchs de suspension en équipe nationale. L'arbitre espagnol, qui l'a sanctionné, n'en est pas à sa première décision litigieuse. Laurent-Frédéric Bollet, Florent Gautreau. Pour les arbitres aussi, une demi-finale de Coupe du Monde est un rendez-vous à ne pas rater. José Manuel Garcia Aranda, qui avait déjà dirigé il y a un mois le match d'ouverture Brésil-Écosse, signe a priori d'excellence, a provoqué hier une polémique avec l'expulsion de Laurent Blanc. Que le Croate Slaven Bilic se tienne le front au lieu du menton ne fait aucun doute, qu'il en rajoute beaucoup également. D'un autre côté, Blanc a bien touché, voire frappé son adversaire. Là où il s'attendait à un carton jaune, Laurent Blanc reçoit en fait un carton rouge, dont le moins que l'on puisse dire est qu'il est très sévère. Il n'y aura pas de finale pour le défenseur français. C'est vrai que la dernière faute, c'est moi qui l'a commis. Mais j'ai pensé qu'il allait me mettre un carton jaune, donc quand j'ai vu le carton rouge, il n'y avait plus rien à faire, il y avait à assumer cette décision, à respecter cette décision-là, et à sortir du terrain, malheureusement. Le joueur et sportif, l'arbitre, peut être injuste, car M. Aranda, 42 ans, professeur d'éducation physique, arbitre depuis 28 ans, avait déjà fait parler de lui dans ce mondial. Lors du match Pays-Bas-Yougoslavie, c'est lui qui, contrairement à hier, n'avait pas sorti le carton rouge pour une faute autrement plus grave de l'attaquant Denis Bergkamp. C'est toujours M. Aranda qui avait refusé à Lilian Lasland et à Auxerre un superbe but en Ligue des Champions il y a un peu plus d'un an. Des décisions parfois étonnantes de la part de l'Espagnol, mais l'arbitre, on le sait, est souverain.
C'est l'appréciation de l'arbitre. Il faut lui faire confiance. Toujours est-il que l'arbitre a pris cette décision en son âme et conscience. Cet arbitre n'avait aucun a priori, ni à l'encontre des Croates, ni à l'encontre des Français. Il a pris sa décision, il a pris ses responsabilités. Et sans état d'âme donc, M. Aranda prive un joueur réputé exemplaire d'une finale de Coupe du Monde. Une cruelle déception pour Laurent Blanc, un coup dur pour l'équipe de France. Et c'est un arbitre marocain, Saïd Belghola, qui dirigera dimanche la finale entre le Brésil et la France. Il a déjà arbitré deux rencontres de cette Coupe du Monde, Allemagne-États-Unis et Allemagne-Croatie. Un homme prend sa revanche en ce moment, on l'a déjà entendu tout à l'heure, c'est l'entraîneur des Bleus, Aimé Jacquet, critiqué, voire moqué, avant le début de la compétition par certains. Il est aujourd'hui le premier entraîneur qui ait amené la France en finale d'une Coupe du Monde. Aimé Jacquet a peut-être le tort de ne pas être un homme à la mode, c'est peut-être aussi là le secret de sa réussite. Florent Gautreau, André Germain. Dans les yeux d'Aimé Jacquet, il y a beaucoup de joie, du soulagement et aussi de l'émotion. Lui qui se présente toujours comme un homme du terroir a dû penser très fort hier soir aux gens de Sail-sous-Couzan. Dans le village de la Loire qu'il a vu grandir, on n'oublie pas les attaques qu'il a dû subir. Quand je l'ai vu devenir entraîneur, j'ai eu peur qu'il était tellement gentil, tellement doux, que j'ai dit, ils vont me le dévorer, mon mémé. La presse, et en particulier le journal L'Équipe, n'a pas été tendre avec Jacquet depuis deux ans. On lui a tout reproché, ses choix tactiques, ses choix de joueurs et même son manque de charisme. Je crois qu'on s'est moins trompé que lui, beaucoup moins trompé que lui, et qu'on fera les comptes ensuite. Si la France est championne du monde, on aura l'air de s'être trompé, je crois qu'on ne sera pas trompé. Parce que si elle est championne du monde, c'est qu'elle a joué et qu'elle a fait ce qu'on dit depuis trois ans. Aujourd'hui, la France est en finale, grâce à Thuram, grâce à Jacquet aussi, forcément. Ce matin, ses détracteurs se rétractent un peu, mais Jacquet, lui, n'a pas oublié. Il y a une réalité professionnelle. On ne bafoue pas les gens qui travaillent, c'est tout. Jamais. Je suis extrêmement heureux parce que le public français a très bien vu qu'on l'a trompé depuis deux ans et maintenant il a une grande équipe de France. Mais nous, on l'a annoncé depuis longtemps. Homme de terroir, homme de terrain, Jacquet n'écoute que ses amis, les techniciens et les éducateurs. Et il est peut-être en train de gagner son pari avec l'équipe de France, comme il l'avait gagné avec les Girondins de Bordeaux, champions de France sous sa direction. Et quoi qu'il arrive, dimanche, l'ancien ouvrier retournera chez lui dans la Loire avec le sentiment du devoir accompli. Pour arriver jusqu'en finale, l'équipe de France aura eu un parcours facile dans un premier temps et beaucoup plus éprouvant pour les nerfs des joueurs et des spectateurs à partir des huitièmes de finale. Mathieu Huchet. Blanc-rouge, Marseille accueille la France. Le cœur serré, on retient son souffle, avant que les deux inséparables, Zidane et Dugarry, ouvrent le bal. Trois danses à zéro contre l'Afrique du Sud. Un petit tour à Paris et un beau doublé d'Henri contre l'Arabie. La balade continue. Zizou laisse traîner une semelle, carton rouge. Le chef d'orchestre des tricolores est suspendu pour deux matchs, mais ne boudons pas notre plaisir, la France marque 4 à 0. France-Danemark, la première place du groupe est en jeu. Bien dosé et bien tiré, Djorkaeff, le régional de l'étape, ouvre le score. Le même de l'autre côté, Barthès encaisse son premier but, avant que Petit le costaud voie rouge. Les choses sérieuses vont commencer. Prolongation, Barthès trouve le temps long, nous aussi. La plaisanterie a assez duré et Blanc est bien de cet avis. But en or contre le Paraguay. Barthès encore lui, mais cette fois-ci contre l'Italie. La France n'avait jamais trouvé aussi joli le son d'un ballon écrasé sur une transversale. De Sailly peut décoller. Destination la finale avec une escale en demi. Les premiers intéressés au match d'hier soir étaient bien entendu les Brésiliens. Dans tout le pays, on a suivi avec attention le match et observé ces Français que l'on aime bien et que l'on voudrait tout de même bien battre dimanche prochain à Paris. Christophe Duchiron, France Vaillant. C'était hier, au moment de France-Croatie.
Il y a du monde dans la rue, c'est un arrêt de bus. Et en attendant le bus, ils regardent le match à la télé. C'est plus pour passer le temps qu'autre chose. En matière de football, le Brésilien s'intéresse au Brésil et rien qu'au Brésil. Et si on s'intéresse à l'adversaire, c'est que pour jouer au foot, il faut être deux. Ça pourrait être la Croatie en finale, car la France termine mal ses actions. La France, ils ne pensent qu'à ça. Ils sont français et ils se sont réunis au bureau pour suivre la rencontre. De l'Hexagone au Brésil, c'est la diagonale du foot, un petit coin de folie française en terre brésilienne. Lilian Thuram vient d'égaliser. Paris-Marseille, Chaumont, Maubeuge, Rio de Janeiro, tout ce que la France compte de supporters est aux anges. Plus de 10 000 km séparent la France et le Brésil, mais hier, tous les Français étaient assis sur la même tribune pour encourager les Bleus. C'est bien Thuram ! Thuram a encore marqué et la France va gagner. France-Brésil, la finale dont ils ont tant rêvé, les Français de Rio, au cœur bleu-blanc-rouge. Deux coups de génie Thuram et puis Barthez qui fait des arrêts fantastiques. Bravo à l'équipe de France. Bah, les Brésiliens ont une confiance dans leur équipe extraordinaire. Ils nous souhaitent depuis le début d'être vice-champion. On va essayer de leur montrer qu'on a une chance d'être champion. Ce matin, avant d'aller à l'école, les gamins de Copacabana sont venus taper dans le ballon. Brésil-France, le petit Brésilien est comme son aîné. Son cœur est jaune et vert et le résultat de la finale ne fait aucun doute. Le Brésil va gagner 3-0 et Ronaldo va ridiculiser Zidane. Dimanche, le Brésil va l'emporter. J'espère que Ronaldo mettra autant de buts qu'il en a déjà marqué. Vu du Brésil, on peut dire que les Brésiliens n'attendent pas la finale. Ils attendent la victoire. Remarquez en France, ça doit être pareil. Après un bref moment de décontraction la nuit dernière et ce matin encore, l'équipe de France se concentre sur la finale, nous aussi. Les joueurs français conscients de la valeur de leurs adversaires, mais relativement sereins. À ce niveau, tous les espoirs sont permis. Écoutons-les. C'est pas pour surestimer les Français ou pour mettre en valeur un certain chauvinisme. Je crois qu'on est l'équipe qui a montré le plus de cœur sur le terrain. Maintenant, en tant que qualité de joueur proprement dit, les Brésiliens sont très forts. Ils ont beaucoup d'individualité, mais nous, nous formons un groupe très solide. Ça va être un match très difficile. Je crois que les Brésiliens sont depuis très longtemps une nation extraordinaire. Donc ce sera à nous essayer de les embêter le plus possible, puis on verra. Maintenant, un match reste un match. Je crois qu'ils sont pas imbattables. C'est la finale idéale, c'est la finale magique, parce que le Brésil, ça représente beaucoup dans l'esprit des gens, et parce que c'est une Coupe du Monde en France et que la France la joue pour la première fois de l'histoire du football français. Maintenant, tout ce qui arrive, je dirais, c'est du bonus. On rencontre le Brésil, ce qui se fait de mieux. Mais bon... On ne va pas s'avouer vaincu. Je crois qu'on respecte cet adversaire, mais je pense qu'on a les moyens aussi de les battre. La condition physique sera déterminante dimanche pour la finale, ça on s'en doute. Le médecin de l'équipe de France, sans citer de nom, a estimé aujourd'hui que plusieurs joueurs ont déjà puisé dans leurs réserves. On verra bien. Les Brésiliens, de leur côté, ont bénéficié d'une journée supplémentaire de repos. Sébastien Vibert, Bruno Livertou. Voilà plus d'un mois qu'ils viennent assister aux entraînements de l'équipe du Brésil. Et visiblement, ils ne s'en lassent pas. Mais dimanche, ce sera une autre histoire. Ces joueurs tant adulés affronteront l'équipe de France. Beau dilemme pour les supporters. On s'est soutenir le Brésil. Moi, je suis pour le jeu, c'est pas pour les deux équipes en fait. Je suis pour le jeu. Qui tu supportes en fait? La France. Mais si le Brésil y gagnait, c'est quand même le maillot. La France. Alors le public est sympa et tout, les supporters sont sympas, si c'est clair, j'ai de la sympathie pour les Brésiliens, mais bon, je suis pour la France quand même, ça n'empêchera pas. Les amateurs de beaux jeux ne voient donc pas la finale comme une simple confrontation, mais bien comme la promesse d'un spectacle mémorable. Le maire d'Ozoir compte d'ailleurs rebaptiser le stade des Trois Sapins, stade d'Affarel, du nom du gardien de but brésilien. Il est moins connu que Ronaldo, c'est sûr, mais cela dit, pour rendre hommage à l'équipe du Brésil, car on fera une plaque commémorative en même temps qui dira que l'équipe du Brésil s'est entraînée pour la Coupe du Monde de 98 du 22 mai au 12 juillet à Ozoir-la-Ferrière. Au Brésil, Ozoir est devenue l'une des villes françaises les plus célèbres. Cette notoriété a plongé les habitants de la commune dans une telle euphorie qu'ils peinent encore à réaliser que l'équipe de France jouera elle aussi en finale. Et à noter que Ronaldo, la vedette de l'équipe, ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Il souffre d'un coup à la cheville droite, c'est ce qu'ont indiqué les médecins de l'équipe du Brésil. Pour autant, il n'est pas déclaré forfait pour dimanche.
La fête hier soir après la victoire de l'équipe de France ne se déroulait pas seulement sur les Champs-Élysées, comme on l'a vu tout à l'heure, mais dans des dizaines de villes françaises. Les supporters ont chanté et dansé une bonne partie de la nuit. Éric Mézy, Alain Locaccio. Une marée humaine avait rendez-vous avec la lune. On lui avait promise, elle l'a décrochée. À Bordeaux, étaient-ils 20 000, 30 000 ? Personne ne les a comptés. Eux préféraient s'inventer le tube de l'été. La tension était trop forte, le stress est enfin évacué. J'ai eu peur qu'ils perdent, alors je suis content. C'est sensationnel, extra. C'est un match, on ne peut pas quoi dire, parce qu'on a un coup sur le cœur. Le feu sacré, les supporters à Lille l'entretiennent aussi. La nuit brûle, on se rafraîchit comme on peut, c'est l'heure du bain de minuit. Et comme par magie, ces drapeaux qui ressortent, qui s'agitent, offrant le spectacle d'un 14 juillet, un peu en avance. Strasbourg perd le nord, s'invente ville du sud et fait sa corrida. Allez, un dernier baiser pour la route et direction Lyon. Ici aussi, on a vibré en musique au rythme de tout le pays. Nuit d'ivresse, nuit de folie, toute la France, en perruque ou en cravate, a laissé sans retenue exploser sa joie. En marge de la compétition sportive, le mondial a engendré une autre forme de compétition, plus feutrée celle-là, entre le Premier ministre et le Président de la République qui, depuis le début du mois de juin, soit dit respectueusement, se marque à la culotte, comme disent les spécialistes. Damien Thévenot, Vincent Fourcade. Coup de sifflet final hier soir, les Bleus l'emportent. L'entraîneur Aimé Jacquet est soulagé. Jacques Chirac exulte. C'est vraiment l'un des plus beaux jours de la vie du sport français. Une belle histoire qui démarre sur la pelouse de Clairefontaine. Les Bleus s'entraînent, le mondial n'a pas encore commencé, mais déjà, le président Chirac occupe le terrain. Sur l'aile gauche, la réaction est immédiate. Le gardien de la majorité reprend la balle au bond. Confidence. J'ai commencé ma carrière sportive comme goal, effectivement, avant de passer au basket. Arrêter les buts comme Barthès, les uns l'ont fait, les autres en rêvent. J'aurais beaucoup aimé être goal. Goal ? Mais oui. La France bat le Danemark et va rencontrer l'Italie en quart de finale. En voyage officiel à Sienne, le Premier ministre joue au Toto Calcio avec son homologue italien. Il a dit que France gagnera 2-0. Non, 1-0 moi aussi. Mais à l'autre bout du monde, au Mozambique, Jacques Chirac a déjà montré qu'il est le premier des supporters. Je suis le plus heureux des hommes et j'ai reçu des félicitations qui m'ont touché droit au cœur de la part du président Chissano. Et je l'en remercie encore. La France bat l'Italie au tir au but, forcément un tel exploit s'apprête à la métaphore. Je suis un entraîneur-joueur, disons. Voilà. Et un mélange de Jacquet et de Zidane. Un président et un premier ministre qui ne seront pas les derniers à célébrer la victoire de la France si tout se passe bien dimanche soir. Est-ce l'effet mondial ou celui de la bonne santé économique du moment en France? Jacques Chirac et Lionel Jospin sont au firmament des sondages, selon le baromètre Ipsos Le Point. Le président recueille 68% d'opinions favorables contre 53% le mois dernier et 70% de Français ont une bonne opinion de Lionel Jospin contre 60% le mois précédent. Les incendies autour de Marseille s'étaient calmés ce matin après avoir parcouru plusieurs centaines d'hectares de garrigues, nécessité la présence d'un millier de sauveteurs et l'évacuation temporaire de plusieurs centaines de personnes. Mais malheureusement, un nouveau départ de feu s'est déclaré cet après-midi dans la région d'Aix-en-Provence. Sur place, Yannick Arroussi. Les pins et les chênes s'enflamment comme des allumettes. Le front de l'incendie avance inexorablement. Pour les 400 pompiers au sol, le combat au corps à corps est terrible. Il faut éviter que le feu ne gagne du terrain, mais dans ce relief accidenté des collines de Peigné, les sautes sont nombreuses. Il y a du monde et des avions. Mais malgré l'intervention massive d'une quinzaine d'appareils, le front de flammes, large de près de 2 km, progresse vers le département du Var, tout proche. Et avec l'aide des moyens aériens, nous cantonnons
comme nous disons, le sinistre. Mais il est loin d'être maîtrisé et également d'être circonscrit. Des renforts sont arrivés des départements voisins, mais l'incendie se propage rapidement dans la forêt. Pourtant, l'alerte a été donnée dès le départ du feu. J'étais sur le départ, il y a donc une propriété privée, toute débroussaillée sur 100 mètres de large. Et le point de départ du feu, c'est vraisemblablement à la limite du débroussaillé. Les flammes ont parcouru environ 400 hectares. Il faut faire vite, mettre en place le maximum de moyens avant le crépuscule. L'incendie de Peigné reste le seul foyer préoccupant dans le département. Le feu du massif des Calanques de Marseille ne donne plus d'inquiétude et laisse derrière lui un paysage de désolation. Sormiou et Morgiou, deux des bijoux de la côte, sont touchés, mais il n'y a eu aucune victime. Hier, les autorités avaient fait évacuer 360 personnes. Et un pyromane d'une quinzaine d'années a été interpellé aujourd'hui même, cet après-midi, à Marseille, alors qu'il enflammait des buissons. Une commission parlementaire a présenté aujourd'hui un rapport très critique, pour ne pas dire plus, sur le fonctionnement des tribunaux de commerce en France. Une justice bénévole rendue par des commerçants, des industriels, qui dans certains cas mêle justice et intérêt personnel. C'est ce que dénonce la commission. Mais l'opposition parlementaire estime que l'on généralise à partir de quelques affaires condamnables. Olivier Caroff, Valérie Hermite. C'était l'un des temples de la nuit parisienne. Du palace, il ne reste aujourd'hui que la façade et une affaire plutôt embarrassante pour le tribunal de commerce de Paris. La boîte de nuit pourrait être rachetée aux enchères par un ancien juge du tribunal. Cet homme, qui sort discrètement de la salle des ventes, a proposé 7,5 millions de francs. Seul problème, pendant 3 ans, ses collègues ont refusé une autre offre largement supérieure à la sienne. 7,5 millions. Un cas exemplaire de dysfonctionnement au sein des tribunaux de commerce, c'est en tout cas l'avis du groupe de députés chargé d'enquêter sur cette justice rendue par des juges élus et venus du monde de l'entreprise. Leur rapport évoque des soupçons de corruption, des juges au comportement douteux et des mandataires de justice qui penseraient avant tout à l'argent que leur mission peut leur apporter. Il faut comprendre que les mandataires qui n'ont pas été encadrés ont eu trop de tentations, ont eu trop d'argent, ont eu trop l'argent facile, c'est pas le leur en plus, ils sont responsables. Mais les juges sont très responsables de ne pas avoir contrôlé. Des propos qui soulèvent un tollé de la part des juges comme des mandataires, même si certains ne cachent pas que le ménage aurait bien besoin d'être fait au sein des tribunaux de commerce. Il y a un certain nombre de personnes qui sont des affairistes et qui sont de tous les métiers. Ce ne sont pas d'ailleurs spécialement des juges consulaires. Il y en a. Il y en a. Pour la commission d'enquête parlementaire, l'une des solutions serait de faire entrer des juges professionnels dans les juridictions commerciales. On appelle ça l'échevinage. À Nanterre, les juges du tribunal de commerce rappellent, eux, qu'ils sont bénévoles. Ils n'ont pas envie d'être dirigés par un fonctionnaire de l'État. Si, par exemple, il y a un juge professionnel qui préside la chambre que je préside actuellement, ben, je dirais c'est très bien qu'il fasse son travail. Moi, j'irai faire autre chose ailleurs. Une menace brandie par la plupart des présidents de tribunaux de commerce de France. Ils attendent désormais l'arbitrage du gouvernement et se disent prêts à refuser de siéger à partir du 1er janvier 1999. En Corse, le président de la caisse locale du Crédit Agricole de la région de Bastia, Joseph Baratier, a été écroué aujourd'hui dans le cadre de l'affaire plus générale du fonctionnement de la caisse régionale du Crédit Agricole en Corse. Le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, a installé ce matin la commission chargée d'examiner les dossiers des sans-papiers qui n'ont pas été régularisés dans les délais. Les cas seront examinés individuellement. Il n'y aura pas de régularisation collective, comme le réclament les associations en pointe dans cette affaire. Alors que les autorités algériennes annoncent une nouvelle fois la mort d'un chef important du GIA, les groupes islamistes, un nouvel attentat à la bombe a fait 10 morts et une vingtaine de blessés ce matin à Alger. Il n'y avait pas eu d'attentat depuis un certain moment. Cette explosion a eu lieu le jour même où une nouvelle manifestation contre l'arabisation du pays était organisée. Thierry Tuilier, Bruno Giraudot. C'est comme si rien ne s'était passé. Quelques heures à peine après l'attentat, il ne reste que ses impacts et quelques vitres brisées, là où la bombe a explosé, faisant moins 10 morts. Le quartier du Ruisseau est un des plus populaires d'Alger et le marché aux puces était très fréquenté ce jeudi matin. D'après les commerçants du coin. C'est un petit colis ? Un petit colis, c'est tout. Il y avait beaucoup de monde ce matin ? C'est normal, il y a beaucoup de monde. En marché. Alger qui tremble et Alger qui manifeste à l'appel d'un parti d'opposition, le Front des Forces Socialistes, fortement implanté en Kabylie.
La marche est autorisée et ils sont plusieurs milliers à défiler. Ils disent non à la réalisation, mais ne veulent surtout pas être cantonnés à la défense de la seule cause kabyle. Aujourd'hui, les manifestants sont sortis dans la rue pour cimenter cette unité nationale et qu'on arrête d'essayer de focaliser et d'essayer de déplacer le débat, soi-disant, entre Kabyle et Arabes, ce qui est un faux débat qui n'existe pas. Nous, on demande de la paix, la fraternité, mais pour ça, il doit y avoir du dialogue, entendons-nous. Leur Algérie est plurielle, à la fois berbère, arabophone et francophone. Ils veulent croire que la loi sur la généralisation d'arabes ne sera jamais appliquée. La Russie attend toujours une nouvelle aide du Fonds monétaire international, subordonnée à une véritable reprise en main de l'économie. Car à l'heure actuelle, il y a d'un côté les milliards voyants de l'économie mafieuse, et puis des dizaines de milliers d'ouvriers qui ne sont plus payés, et puis des dizaines d'entreprises encore qui ne payent pas leurs impôts. Le pays donne l'impression de ne plus être gouverné. Reportage Gilles Rabin, Franck Brisset. Mondial oblige, la Russie qui gagne s'est parée en ce début d'été des couleurs de la France. C'est le dernier centre commercial de luxe qui s'est ouvert à Moscou, les Galeries Françaises. Mais le vrai baromètre du pays est ailleurs, dans les nouveaux hypermarchés. Comme vous l'avez vu, pour certains produits, c'est moins cher ici que sur les marchés de quartier. C'est pourquoi notre éventail de clientèle va des retraités aux millionnaires. La crise financière frappe la Russie au moment où commençait à apparaître enfin une vraie classe moyenne. Car aujourd'hui, il y a deux Russies, celle qui n'a plus besoin de l'État et celle qui en dépend toujours pour ses factures et pour ses salaires. Le nouveau gouvernement veut faire payer la première pour permettre à la deuxième de survivre encore. En Russie, l'impôt est très lourd et la fraude fiscale un vrai sport national. On s'attaque d'abord aux plus riches. Puisque ce sont eux qui ont le plus d'argent, il faut commencer par eux, même si certains ont beaucoup de pouvoir. Il n'y aura pas d'intouchables, la même politique sera appliquée à tous. Pour montrer sa détermination, il n'a pas hésité à faire de Gazprom sa première victime. Le numéro 1 mondial du gaz naturel doit plus de 10 milliards de francs à la Russie. Mais la Russie et ses monstres industriels hérités du soviétisme doivent encore plus à Gazprom en facture de gaz impayé. Ils dansent, les mineurs qui campent depuis un mois devant l'immeuble du gouvernement russe, mais ils savent que leurs mines ne sont plus rentables depuis longtemps et qu'elles sont condamnées, et eux aussi, avec elles. On ne peut plus se cacher la réalité. Il vaut mieux avoir mal maintenant et résoudre ces problèmes. Pour cela, beaucoup d'entreprises doivent tout simplement être fermées. Pour surmonter la crise financière, le nouveau gouvernement est prêt à prendre le risque d'une crise sociale majeure. Mais il n'est pas sûr que cela suffise et qu'il n'ait pas à affronter les deux crises en même temps. La mondialisation impose ses règles dans tous les domaines, y compris ceux des voyages et du tourisme. Les compagnies aériennes s'associent et augmentent encore leur capacité en signant des alliances avec d'autres modes de transport. Ainsi, la compagnie aérienne américaine United Airlines vient de s'allier à la SNCF. Éric Bastiot, Christian Hotta. L'avion et le TGV avec un seul billet. Dès le 18 juillet, les passagers se déplaçant entre Lyon et les États-Unis pourront se contenter d'acheter un même ticket en agence. Lyon-Lapardieu-Roissy, Roissy-Charles-de-Gaulle, les États-Unis d'un seul trait. L'accord conclu entre United Airlines et la SNCF vise à simplifier les démarches des voyageurs. Souvent, c'est très difficile d'obtenir à la fois un billet de train et un billet d'avion. N'acheter qu'un seul billet pour les deux, c'est une très bonne idée. On ne fait qu'une seule opération à l'agence de voyage au lieu d'en faire deux. Moins de complications et on a un service... Je pense que le service va être meilleur. Chaque année, 100 000 personnes voyagent entre Lyon et les États-Unis. Un marché important pour United Airlines. Mais avant tout, c'est l'intérêt bien compris des deux entreprises qui est en jeu. Beaucoup de nos clients s'attendaient dans le monde entier à pouvoir acheter des billets de TGV et avoir un billet unique entre l'avion et le TGV. Aujourd'hui, c'est fait avec United pour Lyon, c'est fait avec Air France pour Lille et on pense étendre cette formule à d'autres destinations et puis à d'autres compagnies. Le TGV relie 157 villes et United Airlines est associé à 6 compagnies mondiales intéressées par le développement de ce projet. Des accords devraient être scellés d'ici juin 1999. Dans le futur, on pourra sûrement relier Arcachon, par exemple, à Rio de Janeiro avec le même billet. Mais pour la location de la chambre et l'excursion en bateau, il faudra toujours faire appel à un tour opérateur.
Pour en revenir à la Coupe du Monde de football, par un autre biais, toute la France s'apprête à vibrer dimanche prochain en bleu-blanc-rouge. La preuve, eh bien, les ventes de maillots de l'équipe de France connaissent un boom sans précédent. Pascal Golomer, Bernard Ronflet. Voilà, 325. Les joueurs sont au repos, mais les affaires continuent plus que jamais. Et au hit-parade des articles estampillés Coupe du Monde, le maillot tricolore arrive en très bonne position. Longtemps négligé, aujourd'hui très recherché, même à près de 500 francs pièce sur les Champs-Élysées. J'ai eu la chance de la trouver, je suis content. C'est une surprise pour mon mari. C'est tout, il a désiré la voir et je te cherche aujourd'hui. Ça c'est pour mes gendres. J'ai deux gendres et puis voilà quoi, qui s'en foutent, L'achat aujourd'hui et pour l'équipe de France est phénoménal pour le budget familial. On a une arrivée à 1h30, à peu près 200 maillots. Et ils sont partis, maintenant, il n'y en a quasiment plus là. Alors qu'il s'est écoulé quoi, 1h30, 2h. Oui, 1h30, 2h, oui. Une très bonne surprise pour la marque Adidas qui commercialise le modèle officiel. Elle frise la rupture de stock alors que les Français avaient toujours boudé les maillots de leur équipe nationale. Mais à parcours exceptionnel des joueurs, comportement exceptionnel des consommateurs. On a vu supporters argentins, les supporters de tous les autres pays venir en maillot au stade. Je pensais aussi peut-être montrer un petit peu l'exemple comme ça et puis le parcours après de l'équipe. Donc j'espère que ça peut aussi changer un peu les mentalités après et que les Français n'auront plus... façon fière de le porter, quoi. On peut pouvoir mettre dans la rue ou peut-être que les enfants iront à l'école avec en septembre. Tout dépendra de la finale, jaune ou bleu, Nike ou Adidas. C'est un autre match très attendu. Les heures de joie de la nuit dernière sont déjà, malheureusement, déjà du passé. Pas tout à fait encore. Hier soir, si les trois quarts des Français étaient devant leur écran de télévision, il y en avait tout de même un certain nombre qui furent involontairement privés de match. Mais par tous les moyens, vous allez le voir, ils ont cherché à se tenir au courant. Valérie Fourniou, Laurent Amida. Top, ça vient de 21h, poste central, rue du Mont. La signature, on passe sur une collègue qui a voulu voir le match à la télé. Je les mets au courant, avec les moyens du bord. Il centre, tu rames pour qui? Pour Zidane, mais intervention. 21h10, la coupole. Au-dessus. Je vais essayer de vendre un maximum de vite, parce que le seul poste est chez les écaillés. Attention, donc le corner. Et tous les quarts d'heure. Par Jean Caer. Quel est le résultat, monsieur? 0-0. Oui. Impatient. Ça va venir, ça va venir. La touche de Thuram, Thuram qui cherche Thierry Henry. Pour lui, c'est usant. Zidane de loin, il a bien fait de reprendre cette balle sur son pied. Oh, la balle va dans la lucarne. Paris stressé, Paris vide. Même rue Saint-Denis, comme une corde à violon tendue, fébrile, jusqu'au premier but. But de d'abord Schuker. But de d'abord Schuker ici, à Saint-Denis. Schuker ouvre le score pour la Croatie. Alors attention, l'égalisation immédiate de Thuram. Thuram qui égalise immédiatement d'après. 47e minute, les premiers sourires apparaissent. Ça y est, chérie. J'espère que la France a gagné. J'entends rien. Lui aussi l'espère. Thuram qui perd le comme tous les acteurs de ce théâtre. Bon, but de Thuram. But de Thuram qui a vu l'espace. Comme ces pompiers de la 5e compagnie. Très très peur. Oh, Barthès qui sauve. Barthès qui sauve ce ballon. Barthès. C'est fini, je l'ai dit. Élysée, 22h45. Le président est au stade. La France est en finale de la Coupe. Et Paris est en liesse. Extraordinaire. Effectivement, on est en finale. Nous l'avons déjà dit, les femmes n'ont pas boudé cette Coupe du Monde de football. Et de même, plus en plus de jeunes filles s'adonnent à ce sport, jusque dans les régions les plus reculées. À preuve, ce match qui s'est déroulé au Pérou, sur les hauteurs de l'Altiplano. Là-bas, en maillot réglementaire, mais en jupe tout de même. Eh bien, on tape dans le ballon et vous allez le voir. La technique n'est pas trop rudimentaire. Très beau contrôle de la tête. Et tir, but! Ce journal est terminé. Dans un instant, la météo, Sophie Davant. Ici même, demain soir, vous retrouverez Béatrice Schoenberg. Bonne fin de semaine donc, et allez les Bleus !